Mais nous remercions donc le Festival Lyrique de Marmande et la mairie de Cocumont d'avoir eu la bonne idée de nous permettre de chanter donc cette église dont l'acoustique est particulièrement agréable parce qu'il n'y a pas trop de résonance. Donc on a proposé un programme qui tournait essentiellement autour du répertoire de Rossini, mais un répertoire peut-être pas connu de Rossini puisque ce sont des extraits des Péchés de vieillesse de ce compositeur qui montre un petit peu toute la complexité du compositeur, à la fois rieur, parfois nostalgique, parfois humoristique. Enfin, il y a plein de facettes dans sa musique que l'on peut découvrir dans cette œuvre des Péchés de vieillesse. Ensuite, nous avons également chanté quelques pièces de Bach et aussi des polyphonies sacrées et profanes du début du XXe siècle. Rabiel Busto, Steve de Brogoz, Kodály, qui est beaucoup plus connu bien sûr, et nous avons terminé également sur du répertoire plus populaire de Complainte napolitaine et le très célèbre Torna a Sorrento, accompagné par Sylvie Pérez qui a réalisé une magnifique performance car ses œuvres sont particulièrement difficiles à interpréter.